toute la semaine, c'est Vincent du 512 à Longeville-les-Metz qui nous régale. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine, une entrée donc à base de pâtes feuilletées. Pâte à brioche feuilletée, voilà, voilà. Tout à fait. C'est... Mélanger les deux, pâte à brioche feuilletée. Et donc là, l'idée, c'est quoi c'est de cette entrée-là, cette recette? L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez gourmand. D'accord. D'assez gourmand avec une brioche. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans cette brioche-là? Brioche feuilletée, et à l'intérieur, on va insérer un œuf cocotte qu'on va cuire à l'intérieur de la brioche directement. Mm-hmm. Donc voilà, donc là, je prépare les brioches. Que j'ai fait feuilleter dans le même esprit qu'une pâte feuilletée. Mm-hmm. Et ensuite, on va les mettre à pousser. On les cuit dans l'esprit d'un escargot en spirale. Bon, sachant que si on n'est pas aussi pro que Vincent pour faire une pâte briochée feuilletée, on peut partir sur une petite brioche à tête ou des choses bien comme sûr, ça. Bien sûr. L'idée en tout cas, c'est d'avoir ce côté brioché. Vu que je suis pâtissier de métier, j'ai essayé d'apporter ma petite technique au niveau de la brioche feuilletée que j'apprécie. Mais de base, on peut faire avec une brioche simple, une petite brioche à tête, une petite brioche nanterre, quelque chose. Et puis, et on aura le même résultat. Mmh. Là, le côté beurre va ramener beaucoup de gourmandise, beaucoup de rondeur que j'aime beaucoup. D'accord. Donc là, on les laisse voilà. pousser là, maintenant, un petit on peu. Laisse pousser pendant 1h30. Après, on les mettra au four à combien, pendant au combien four. De temps? On les cuit à 170 degrés D'accord. pendant une douzaine de minutes. Ok. Et le résultat après, ça donne quoi? Parce Alors, que je sais que tu en avais déjà préparé. Tout à fait. On voit vraiment le côté feuilleté, c'est super beau. Et bah top. Donc ça, on les réserve, on les laisse de côté, on les enfournera plus tard. Voilà, on va les laisser pousser tranquillement. Et nous, on va travailler avec celle-ci. Oui. Hein? Donc là, on va couper. Hein. L'idée, c'est d'enlever le dessus pour piéger ton œuf. Voilà, c'est dedans. Ça. De récupérer d'une part le chapeau et d'autre part la base où on va cuire l'œuf directement dedans. Ouais, donc après, l'idée, c'est de creuser comme là, ce que tu as fait sur la première. Voilà, là, c'est pas encore assez creusé. D'accord, ouais, tu vas vraiment bien creuser. Vraiment creuser pour que l'œuf rentre en totalité à l'intérieur. D'accord. Donc là, pareil, j'imagine un œuf bio, bonne qualité, fermier, enfin voilà. Voilà, tout à fait. Et on a l'avantage avec les œufs là, c'est que pour retrouver le goût de la truffe... Ah, tu les as mis dans une boîte hermétique avec ta truffe. Avec la truffe pour que ça prenne un maximum de goût. Et tu vas quand même en rajouter avec de la truffe ou pas? Oui, après je vais râper un petit peu de truffe sur l'émulsion Beaufort qu'on va faire juste après. Mm-hmm. Je vais les mettre directement dans le cercle, comme ça va être bloqué. Et donc ça, c'est une recette qu'on peut retrouver au restaurant? Ça, c'est une recette qu'on retrouve sur la carte du restaurant. Je commence par tapisser le fond avec un petit peu de Beaufort, histoire de ramener encore un peu plus vraiment... de fondant, un peu plus de gourmandise. Là, on est vraiment effectivement sur un plat. Il y a du fromage, de l'œuf, de la truffe, de la brioche. Voilà, Beaufort d'Alpage, tous nos fromages, on les prend chez à la fromagerie du Grand Cerf. Ah d'accord, oui. Qui est située à Metz, qui est au centre-ville. D'excellents fromages, d'excellentes crèmes. Et ensuite... Tu casses ton œuf. On casse l'œuf. Tu le mets à cœur. On le met à cœur. Ah, super. Pourquoi tu mets pas la truffe tout de suite? L'idée, c'est de pas avoir trop de goût de la truffe. D'accord, ouais, que ça soit subtil. Que ça soit subtil, tout à fait, oui. Oui, puis si t'en râpes un peu au-dessus, à la limite, c'est bien, t'as le côté visuel, ouais, puis c'est meilleur quand c'est ça vient d'être... Fraîchement râpé dessus et que ça passe pas à la cuisson. On l'assaisonne? On assaisonne, mais à la sortie du four. Ah, à la sortie du four. Donc là, on enfourne avec la fleur de sel. À combien, pendant combien de temps? On enfourne à 190 degrés. Oui. 6 minutes dans un premier temps. Oui. Comme ça, tel quel. D'accord. Et après, on vient finir en déposant le chapeau dessus pour les 3 dernières minutes de cuisson. D'accord. Pour pas que le jaune prenne trop de cuisson sur le dessus. C'est ce que j'allais dire. L'idée, c'est quand même que le jaune il soit coulant. Ouais, on est d'accord. L'idée, c'est que le blanc soit cuit, mais que le jaune reste bien. D'accord. Voilà. Donc, j'ouvre le four, on y va. Oui. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de Pendant notre... Pendant ce temps, on va faire l'émulsion au Beaufort. Donc là, tu as quoi dedans dans ta casserole? Donc là, on a 200 g de crème, 100 g de lait. On va faire fondre les 200 g de Beaufort directement dedans. Donc on va terminer notre émulsion au Beaufort. Hein, et puis on la mettra dans le siphon. Oui, hein, siphon pour avoir une mousse. On le sert froid? On le sert froid. D'accord, donc il vaut mieux le préparer à la limite la veille. La veille ou quelques heures avant qu'on laisse refroidir. Et puis après, on n'a plus qu'à sortir nos petits feuilletés. Nos petits œufs, oui. Hein, oui. Remettre dans le chapon, on l'aura déjà mis. On dresse. On dresse avec derrière. Avec le siphon et puis on mange. Oui. Thank you.
c'est top parce qu'en fait, tu as vraiment le côté brioché, œuf, gourmand. Et en même temps, le côté fraîcheur et aérien. Et tu sais que c'est du fromage, mais en même temps, tu es un peu dérouté parce qu'effectivement... C'est un peu l'esprit d'un petit nuage comme ça qui vient fondre dans la bouche. C'est ça. Hein. C'est très, très bon. Puis avec la truffe, j'adore. Et c'est vrai que c'est sympa parce que le visuel, on dirait un dessert. Ouais. Donc là, on sent vraiment la fibre du pâtissier qui a dressé l'assiette. Non, c'est top. Franchement, ça fait son effet. C'est bien. Et puis, c'est une recette, comme on le disait, vous pouvez à la limite solliciter votre boulanger pour vous faire un petit pain brioché, quoi. Donc, c'est rapide et c'est facile. Prochaine recette, ça sera quoi? Prochaine recette, on va faire l'idée d'un trou. On va faire une pose givrée. C'est ça, une pose givrée. On va être une pose avec un granité au champagne. Émulsion chiso et brunoise de mangue chiso.